Happy Hour. 18h-20h. Ce soir avec Helmut Fritz, numéro 1 des téléchargements en France pendant 8 semaines. Numéro 1 des clubs en France. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le titre Ça m'énerve ne nous laisse pas indifférents. Son auteur Helmut Fritz nous vient de Rheinbeck en Allemagne. C'est où en fait? C'est tout au nord, près de la mer Baltique. Très bien. C'est très petit, donc on peut pas t'en vouloir de pas connaître. C'est ce qu'on appelle en allemand Ein Scheißkaff. Ein Scheißkaff, ganz genau. Ce qui veut dire un trou perdu, pour parler de manière polie. Tu es d'accord avec moi, hein? Il vit depuis 10 ans en France avec ses millions, puisqu'il a hérité d'une fortune depuis la mort de son arrière-grand-oncle, piétiné par un sanglier. Souvenir douloureux, écoute. C'est pour ça que je suis parti pour me faire un moral. Beaucoup reproduit dans le Tiergarten de Berlin d'ailleurs. C'est vrai qu'en ce moment, ils n'arrêtent pas de. Alors voilà pour la bio. Helmut Fritz, en tous les cas, sort un album en observation. Et c'est donc notre invité de la Piawer. Helmut, guten Abend. Comment tu vas? Je vais bien, je suis content d'être là sur FG Fritz Geil Radio. Oui, Geil, ça veut dire génial, hein, bien sûr. Et puis Fritz, c'est son nom de famille en fait. Voilà. Il est né comme ça avec ce nom. C'est un patronyme ridicule. Je te l'accorde. Puis c'est pas connoté, t'as remarqué, hein, c'est pas segmentant. Du tout. Je l'ai découvert après avec la grande vadrouille. Je sais, qu'est-ce que vous me dites là, hein? Quant au public, lui, t'as découvert avec Ça m'énerve. Alors pourquoi tu as quitté cette ville merveilleuse de Rheinbeck pour t'installer en France, Helmut? Écoute, Paris, ville de lumière, hein, capitale de beaucoup de choses. Et puis l'envie de découvrir un peu. J'avais tellement entendu parler de cette ville, de l'architecture, de tout ce qui s'y passe. Et je dois dire que je suis pas déçu. Et je dois faire une parenthèse. Alors c'est pas pour passer une couche de cirage, mais première fois que je suis arrivé, j'ai tout de suite entendu FG. Je crois que c'était en 96. Et j'ai entendu vous passiez Spieler avec Groovejet, rentrer de la Miami Winter Conference, ouais. Et quand j'ai entendu ce titre, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ce titre et qu'est-ce que c'est que cette radio? Et après là, j'ai écouté tout le temps. Et là depuis tu t'es... Et là depuis je suis tout le temps. Tu sais qu'on a été les premiers à jouer ton single quand même. Mais oui, c'est pour Radio FG, Helmut Fritz pour les DJ, c'est le VIP Mix Dub pour énerver les clubs. Ben oui. Eh ouais, alors les artistes comme toi sont assez rares. Alors forcément ça laisse pas indifférent. Il y en a qui aiment, il y en a qui détestent, tout le monde connaît, tout le monde parle de toi. Ça y est, il me flatte déjà là, hein. Je vais être rouge comme la table. Non mais oui, c'est vrai. On en parle beaucoup. Mais écoute, c'est tant mieux, je dis merci aux gens. Moi je m'attendais pas à ce qu'il y ait une effervescence comme ça autour de Ça m'énerve, jamais. Comment t'expliques que ça marche autant? Je crois que c'est une partie du sarcasme un peu du texte, tu sais, qui fait un peu sourire les gens. Et j'en conviens aussi, c'est peut-être le son efficace de R. Conrad. Hein. Alors, comment ça se passe? Parlez-moi un petit peu de ce duo. T'arrives à te concentrer, Laurent, avec... Ah, c'est difficile, non, mais si, parce que finalement, quand on travaille, on a une assez bonne dynamique de travail, et puis sous ces airs de gros taré. Bonne dynamique de travail. J'essaye d'être sérieux, cet album s'appelle En Observation. On parle de tout, hein. La queue à la poste. Ah, ouais. Très gros problème de société en France. Oui. Miss France. Oui. Ah, est-ce que, quand vous parlez de Miss France, vous parlez de cette dame qui ressemble un peu à Boy George, qu'on appelle Madame de Fontenay? Oui, c'est... Je trouve. Alors, oui, de face, c'est vrai. Et de dos, moi, je la confonds souvent avec JK de Jamiroquai. Hein. Des fois, je dis là, hey, Jason, il se tourne. Non, écoute, c'est Geneviève. Franchement, non, mais je trouve qu'il y a un air d'assurance avec Boy George. Au niveau make-up, c'est, ouais, c'est pas faux. Hein. Geneviève, si tu nous écoutes. Viens les Bendy. Alors, est-ce que ce ne sont que des chansons de révolté, Helmut? Mais oui, tout est engagé. On ne peut pas faire plus politique, engagé que ça. C'est que, voilà, le siège, le gilet jaune, c'est le siège passager. Je veux dire, c'est intolérable. Il faut en parler. C'est clair. La frange à la Kate Moss, on parle. Merci en tous les cas, tous les deux, c'était un plaisir. Hein. Merci partagé, à toi. Hein. Merci beaucoup. Yes. Bon, c'est la première, mais pas la dernière, hein, comme d'habitude. Hein. Ah ben, écoute, on revient quand tu souhaites. Hein. Bah, tu reviens avec des macarons. Ah, je reviens avec des macarons. Parce que là, je t'ai trouvé Gaïtzik, tu as été radin. Oui, c'est vrai, mais c'est ma nature. Mais prochaine fois, il y aura plein de macarons. Et je dis pas la marque, on peut pas les dire à l'antenne, mais il paraît qu'ils sont bons. Bonsoir, c'est Helmut Fritz sur FG5 Vidéo. Ne rate surtout pas l'Happy Hour avec Antoine Baduel, hein, parce que sinon tu vas m'énerver. Hein. Happy Hour. Happy Hour avec Antoine Baduel. Happy Hour.